Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Il y a deux jours, nous contemplions l'enfant de la crèche en présence des bergers. Et déjà, l'Église nous invite à méditer sur la résurrection de Jésus. Voilà une belle occasion de dépasser les signes matériels pour entrer dans le mystère qui se cache derrière le petit enfant de Bethléem en osant, par la foi, nous aventurer sur le sens de sa venue et de son passage en notre humanité. Celui qui vient de naître est aussi celui qui ressuscite. Les signes de Dieu sont bien maigres. Hier, un enfant dans une mangeoire, et aujourd'hui, un tombeau ouvert, un corps absent, des linges posés à plat et le suaire roulé à sa place. Hier, c'étaient les pauvres marginaux bergers, des analphabètes, qui partaient annoncer la bonne nouvelle de Noël. Aujourd'hui, c'est une femme, Marie-Madeleine, qui court annoncer à Simon-Pierre la nouvelle de Pâques et qui permet à Jean de voir et de croire. Comprenons que seule la foi nous donne d'entrer dans le mystère de la présence de Dieu. Mystère de vie et d'amour qui se cache derrière d'humbles signes qui s'adressent non plus à nos sens, mais d'abord à nos cœurs. Seigneur, fais grandir en nous la foi. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.